Tout le monde est prêt pour la cueillette des myrtilles du jardin? Le premier qui a son panier plein aura double ration de tarte aux myrtilles ce soir. Rams! Hippolyte, merci de votre enthousiasme, mais je parlais pour les enfants. C'est parti, suivez-moi. Je vais vous montrer où... C'est terrible! Oh, oh non! Il n'y a plus de myrtilles! Quelqu'un a tout pris! Très intéressant. Monsieur l'écureuil, que faisiez-vous à 14h07 dans la nuit du 12? Squeak n'est pas un voleur. Et puis d'abord, on n'accuse pas sans preuve. C'est fichu pour la tarte. Oh, oh mais non, suis-je bête? Il me reste des myrtilles en bocaux de l'année dernière. Oh, oh vraiment? Oh, j'ai eu peur. Enfin, je veux dire que les enfants soient privés de tarte. T'inquiète, Squeak, on va trouver le vrai coupable. Oh, 3759 pièces. Des heures et des heures de bonheur en perspective. Chut, planque 1 à planque 2, rien à signaler. Chut, ici planque 2, rien non plus, Roger. Lisa, ça sert à rien de rester tous les deux au même endroit. Ça fait des heures qu'on attend, je m'ennuie toute seule. Tu vois, j'avais raison. Les coupables reviennent toujours sur les lieux du crime. Oh, c'est ça, le voleur? Viens là, toi. Oh, il est trop mignon. Regarde. Un lapin. Tu parles d'un scoop. Je suis sûre que tu aimes les caresses, toi. C'est quoi ce truc? Déjà terminé? Quel dommage! Allez, dodo! Je comprends rien! J'ai juste caressé le lapin et... Oh. Fais voir! Et une, et deux, et trois... Un lapin qui accélère le temps quand on le caresse! Trop fort! Il faut absolument lui trouver une cachette pour pas que les grands tombent dessus. Allez les petits loups, le yoga c'est top pour démarrer la journée. Déjà debout les cousins? C'est bien! Vous venez? Bien sûr! On vous attendait! On libère les tensions, on se détend. Et respiration. Imaginez que vous êtes un arbre. Vos membres sont des racines. Voilà, on est bien. Parfait. On va faire simple pour commencer. Et hop. Allez, oh, tout le monde après moi. Fin de la séance. Vous voyez les petits Bouddhas? Quand on aime, on voit pas le temps passer. Psst, les copains, faut qu'on vous montre un truc. Un lapin qui fait avancer le temps. Oh cool. Il est trop mignon. Et puis il a l'air si doux. Comme une peluche. J'en connais un qui est jaloux. Oh, je veux le porter, s'il te plaît, laisse-moi le caresser. Une petite tête. Et chacun son tour. Mais laissez-le respirer. Je dirais surtout, laissez-le dormir. Il a vraiment l'air fatigué. Allez, Squeak, laisse la place, s'il te plaît. Là, comme ça. Toi, tu restes ici pour te reposer un peu. Tu viens, Squeak?
j'ai une faim de loup. Vous vous rendez compte? Avec ce lapin, on va pouvoir zapper un tas de trucs. Terminer les randonnées interminables avec Odile. Plus besoin de perdre son temps à se laver, trop pratique. Je suis pas sûre. Et les soirées guitare d'Hippolyte ne dureront que 2 secondes. Ah! Malik la boulette a encore frappé. Punition. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Chou de Bruxelles du potager. J'ai oublié de me laver les mains. Ça m'étonnerait. Tu te les laves tous les 3 jours. Justement, c'est aujourd'hui. Dans tes rêves, ouais. Ça, c'est de la vraie nourriture. Ryan, au rapport. Aïe, ça va mal finir. À moins que ça finisse très très vite. Ça a marché. Merci, mon pote. Ben, où il est passé? Squeak! Où est le lapin? Oh non! Il s'est échappé! Merci, Squeak. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, au fait? Oh! Les myrtilles! C'était toi, le voleur. Et tu nous as laissé accuser le lapin à ta place. Squeak! Dis-nous tout de suite où il est. Squeak, tu me déçois beaucoup. Lisa, je crois pas qu'il ait fait ça par méchanceté. Il a juste eu peur que le lapin prenne sa place. Pas vrai, Squeak? Rassure-toi, petit filou. Tu resteras toujours mon animal préféré. Allez, je te pardonne. Mais à une condition, tu nous aides à retrouver le lapin. Finalement, c'est pratique, les poches trouées. Mais ça nourrit pas son homme. Oh, elle va être délicieuse, cette tarte aux myrtilles. Sauvée. Et hop, 1h30 de cuisson. Oh non, je vais mourir de faim, moi. Sauf si quelqu'un me donne un petit coup de main. Rien de tel qu'une petite sieste pour se requinquer. Maintenant. Malik? Je voulais juste avancer l'heure du goûter. T'aurais pu nous prévenir que tu l'avais trouvé. Oh non! Ma tarte est complètement brûlée! Oups, j'ai dû frotter un petit peu fort. Regardez dans quel état il est! On a abusé des caresses et du coup, il a vieilli en accéléré. Pauvre lapinou! C'est une cure de vitamine qu'il lui faudrait. Oh non! Ma tarte est complètement brûlée! Je rêve ou on vient de remonter dans le temps? C'est arrivé quand Squeak lui a donné une myrtille. Il a l'air d'aller un peu mieux. Oui, mais il lui en faudrait plus d'une pour redevenir comme avant. Mais comment on va faire? Elles ont toutes été mangées.
Squeak a une idée. Et maintenant, Squeak, c'est quoi ton plan? Ah, sacré Squeak, t'es pas un écureuil pour rien. Tiens, régale-toi. Génial! Il a retrouvé la pêche. Je suis curieux de savoir jusqu'où on a remonté le temps. À table! Aujourd'hui, on se fait plaisir. Chou de Bruxelles du potager! Tiens, où sont les autres? Marie!